Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente comment je fabrique un stylo en bois d'olivier. Alors, tout d'abord, je commence par découper mon carrelé de bois aux dimensions des tubes. Ensuite, je les perce au bon diamètre à la perceuse à colonne afin de pouvoir y insérer les tubes. Voilà, et maintenant je passe au collage des tubes à l'intérieur des carrelés de bois, tubes que j'ai préalablement griffés au papier de verre pour qu'ils collent bien à l'intérieur. Et j'applique un petit peu d'activateur pour que le collage aille plus vite. Voilà, une fois que la colle est sèche, je vais araser les tubes pour que ceux-ci soient bien à fleur avec l'extrémité du carrelé. C'est très important pour le montage du stylo à la fin. Ensuite, je monte mes carnets de bois sur le mandrin à stylo et je commence à dégrossir mes pièces, à la gouge à dégrossir. Une fois que j'ai bien dégrossi mes deux carnets de bois, je donne une forme légèrement galbée au stylo. Et pour terminer, j'affine les formes. Je passe maintenant au ponçage du grain 150 jusqu'à 600. Pour une belle finition sans rayures, j'applique maintenant la pâte à polir. Pour une finition bien brillante, j'applique un polish à friction.
Pour finir, je passe à l'assemblage du stylo-plume. Voici la façon dont je procède pour fabriquer un stylo plume. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, à plus !